Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous partager une perle importante que dont j'ai pris véritablement conscience profondément. C'est les questions de posture. Vous connaissez peut-être le petit chien qui était « You know what, I'm happy » et il se tient tout courbé et il a les oreilles qui tombent et on se doute qu'en fait, il n'est pas vraiment heureux en fait. Et cette posture... Quand on se sent pas bien, quand on se sent fatigué, quand on a des douleurs, ça a été mon cas il n'y a pas très longtemps quand j'ai eu une grosse migraine, on a tendance à se recroqueviller comme ça, à mettre les mains dans la tête. Et ça va pas favoriser en fait l'amélioration de la situation. Au début, on a du mal à le comprendre parce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, se recroqueviller. Et au contraire, pour aider... La douleur à passer, pour aider le mauvais moment à passer, eh bien, ce qui va pouvoir aider, c'est de se redresser, d'ouvrir, de relever la tête et même d'ouvrir grand les bras. Voilà, comme ça, très très grand, ce qui vous met dans une posture totalement différente physiquement du ressenti physiologique que l'on peut avoir à l'intérieur. Et c'est ce switch en fait qui permet d'améliorer plus rapidement la situation ou de vivre moins de souffrance, que ce soit moins dur en fait. J'ai pu l'expérimenter à plusieurs reprises sur des périodes de migraine et la dernière fois en particulier sur quelque chose de très 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 violent où je dis non, attention, j'ai tendance à me recroqueviller, j'ouvre, je remonte, j'ouvre les épaules, je respire profondément pour laisser passer la douleur. Et ça s'est beaucoup mieux passé, même si ça a été long, ça n'a pas été facile, mais ça s'est beaucoup mieux passé et le rétablissement aussi derrière, c'est-à-dire que le temps de remise en route de l'organisme après une période de crise comme ça, eh ben, était beaucoup plus facile à vivre. Sinon, on peut passer beaucoup de temps à traîner cette douleur, cette fatigue, cet épuisement, et ça va pas favoriser les choses. Voilà cette perle que je souhaitais vous partager aujourd'hui sur la partie physiologique. Et je vous retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres perles de prise de conscience. À bientôt.